Évidemment, on connaît tous Autant en emporte le vent. Mais ce que l'on ignore, c'est comment ce chef-d'œuvre a vu le jour. Hollywood, joué par Thierry Frémont, Pierre Cassignard et Emmanuel Patron, c'est l'histoire de ce film aux 8 Oscars, adapté du roman à succès de Margaret Mitchell dans les années 40. C'est pour ça que cette histoire est intéressante, c'est que c'est un cas unique sur un film qui va devenir le plus grand succès de l'histoire du cinéma. C'est quand même un scénario qui a été réécrit alors que le tournage a déjà commencé, il est réécrit en une semaine pour faire 400 pages au lieu d'en faire 1200 comme c'était le cas au début. Donc c'est une histoire tout à fait incroyable. Vous connaissez l'histoire ? De vue. Eh ben pas lui. Non. Oh non. Le grand scénariste n'a pas lu. Enfin, c'est pas un problème. Ben nous rend un scénario dans une semaine. 1939. Le producteur David Sesnick interrompt le tournage d'Autant en emporte le vent. Il convoque dans son bureau le scénariste Ben Hetch et le réalisateur Victor Fleming et se lance le défi de réécrire la totalité du scénario en une semaine. Seul problème, le scénariste ne connaît pas le livre. Ashley, vous faites Ashley. Ashley. Oui, non, sauf si vous préférez faire Scarlett. Non, Ashley, c'est bien. Démarre alors une folle semaine, le producteur et le réalisateur miment tout le livre à Ben Hetch pour qu'il réécrive le scénario, un scénario qu'il déteste. La guerre aurait-elle éclaté ? Quand même pas, mais on n'en est pas loin. Durant 8 jours, pour le bon fonctionnement de leur cerveau, le trio se nourrit exclusivement de bananes et de cacahuètes, le tout en travaillant jour et nuit sans interruption. Un jeu d'acteur efficace qui fait perdre la tête et la notion du temps. On passe du début de la pièce où on est tous quand même en costard, années 40, bien coiffés, et on finit quasiment à poil en faisant les singes. Et c'est vrai que ça nous donne la possibilité de vraiment s'amuser, quoi. Ça tombe bien parce que nous aussi, le spectateur se délecte d'une écriture drôle, de ces personnages qui se querellent et perdent les pédales au fil de la pièce. Si je prends la caméra, que je la mets là, que je prends Prissy, que je la mets là, et que je colle la baffe, la tête se dévisse en direction de l'objectif, comme chaise décrochée, regardez. Pour que ça marche, une scène de claque, il faut mettre des vraies claques. Parce qu'on a tout essayé, hein, les fausses claques, avec du son, etc. Non, ce qui fait rire le spectateur, c'est la crotte des choses, c'est de dire de bien voir un bon geste bien large arriver sur la figure de quelqu'un, entendre une bonne claque sonner, ça fait rire la gens. Donc genre, ce genre de scène, on l'a répété le moins possible et on les a vraiment investis au dernier moment. Évidemment, aucun suspense quant à la fin de l'histoire, puisqu'on sait déjà que le film sera bouclé, mais il arrive encore que les trois compères se surprennent. Mais hier soir, par exemple, notre ami Emmanuel a fait un geste qui a été applaudi et scandé en plein milieu du spectacle par la foule. Ouais, il a fait un panier avec une banane en arrière, comme ça, il l'a mis dans la poubelle. Même si ce n'est pas indispensable, on vous conseille tout de même de voir le film pour mieux apprécier la pièce et tous ses personnages. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour découvrir ce bon divertissement au théâtre de la Michaudière.